Tournée retour, nous sommes de retour pour l'épisode 19. Et des jours perdus, les jours qui partent, nous sommes sous la neige avec Zizi Saint-Jeune. Très peu de fioul. Dans cet esprit de quand même d'un petit peu ratisser tout ce qu'on peut, on va aller par ici là. Vers ces endroits-là, il y aura peut-être des camps d'ennemis à se faire. On dirait, ça ressemble. Donc on va aller prendre du fioul, puis on va essayer d'aller le par ici en mode rapide, comme ça on sera juste à côté. Top off the tank. That should be it. Okay. Quand même bouffer la moitié. Il y a toujours le petit bidon dans le coin. Heureusement qu'il y a ce truc. La ferraille. Not the mic scrap. Okay. Attendez, parce que je sais que je peux fabriquer d'autres trucs quoi depuis là. Fabriquer. Il me faudrait plus de ferraille. C'est celui à pointe, celui que j'ai de base. Celui a l'air d'être meilleur, j'ai tout ce qu'il faut sauf la ferraille. Ouais, je peux pas faire ça maintenant quoi. Par contre ça. Alors, il y a cet endroit-là. Allons voir. Qui se trimballe maintenant. Bon, c'est pas... Oui, monsieur Damien, comment qui y va? Ça tranquillou, hein. On explore toujours les coins, on n'est pas allé suite à vos conseils.
Oh. C'est tous les soirs comme ça en vérité. En vrai de vrai. Ah oui. Il a toujours son petit moment fou comme ça. Là. Il sort des choses aléatoires. Camp full of squatters. You the assholes who tried to ambush me. Et ben voilà. Je sais pas pourquoi il tient toujours à me rappeler les choses qu'on me dit, les choses horribles qu'on me dit. C'est terrible. Ben là, en vrai, au niveau de l'histoire, je sais pas comment on a avancé par rapport à ce terrain-là. Je sais que ben, ça, c'est la deuxième zone du jeu, avec cette partie-là qui est à débloquer aussi. Mais je sais pas si on la débloque pendant qu'on fait des missions d'histoire ici, ou si cette partie-là, je vais la débloquer après avoir fait les choses dans la partie qui est encore plus en dessous. Parce qu'il y a une troisième et dernière grande zone en plus au sud. Et c'est là que bah, c'est la dernière zone du jeu débloquée. Et on sera plus proche de la fin que du début, quoi. Il veut pas que tu oublies. Ah ouais, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Du coup, là, ça se fait ça, là. J'irai voir aussi à peu près par là. Puis après, on ira continuer l'histoire. Mais sinon, ouais, on avance bien, en vrai. On l'avance bien. Ça fait un petit bon let's play, en vrai, là. On est déjà au 19e épisode. Ça fait du bien de replonger dans un jeu monde ouvert où j'ai plein de choses à faire. Je suis bien dans mon petit confort, comme ça, là, de jeu. Ok. Commencez pas les vieilles peaux. Vu que Shadows a été décalé, j'aurais pas eu ça. Du coup, il me fallait un jeu dans le style. Puis ça me permet d'y rejouer, pourquoi pas de sortir une nouvelle vidéo sur le jeu. J'y pense, je mets ça de côté. Avant Indiana Jones au mois de décembre, où là pareil, je ferai let's play plus vidéo comme pour Hellblade 2. J'ai très hâte. Parce que vu que c'est un jeu sur le PC, je verrai que comme j'irai que Hellblade 2, comme ça je serai parfait pour la vidéo. Bon, là, j'ai déjà fait la définitive trilogie. En vrai. Juste, j'ai pas fait GTA 3, quoi. J'ai une espèce de flemme. I gotta clear the camp. Bunch of murderers and thieves, and I can't let any of them escape. Mais y a personne dans ce camp ou quoi? Ah. Quand même. Nope, pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. We shoot on sight. Je sais pas si j'aurais pu venir par un autre côté. Ah, j'ai l'impression que non, quoique. Peut-être par là, ce serait une autre entrée. Là, j'arrive de front. Encore une fois, j'ai pas mon sniper. Je pense que je vais finir par le reprendre dans le sniper. Hein.
Tu me diras, ça peut me permettre aussi de clear ce camp en mode Rambo, hein. Ah ouais, il y aurait eu des grosses mages. En vrai, j'ai pas eu énormément de bugs perso quand j'avais joué, à mon souvenir. Merde. Il y en avait eu, mais pas au point que je trouve le jeu horrible, etc. quoi. Ça va. Comparaison de la sortie jour J où je sais que il y avait eu énormément de bugs, genre vraiment beaucoup. Genre vraiment en mode injouable. La version mobile sur Netflix là? Terrible. Putain. Il fait nuit. Tu vas pas me voir, toi. Il y a un petit potentiel photo, je pense. Ah. Ah non, peut-être pas. Quoique. Là là, oh là là, l'inclinaison. Je connais, c'est une pause club ça. C'est une pause, je me pose sur l'arbre et je bouge pas. Et je fous rien. J'ai combien de points là? 6, 8, il en manque. Il en manque au moins 4 là. Lui, il bouge pas ou je rêve? Ah ouais, il bouge pas lui hein. Pas pouvoir avancer moi s'il me voit là. Ah, c'est possible hein. Ah bâtard.
Hello. Qui parle? Ok, je vais voir si je peux pas continuer à avancer par ici. Eux, ils sont fixés là-dessus. Quand lui dégage, je peux peut-être m'avancer. Je sais pas si je m'occupe de cette personne-là. Celle-là entend. J'y arrive pas. À... Je sais pas trop. Seigneur tout puissant. Merde, il y a une personne, j'ai pas réussi à la capter. Comment tombe pas toi? Allez. Crie pas, crie pas. What? Ok. Je sais pas s'il y a à voir la personne qui est morte ou pas. J'aimerais bien faire ça en mode discretos. Parce que si je fous le bordel, ça va attirer des gens. Enfin, ça va attirer des infectés. Vu qu'en plus, si c'est un endroit, il n'y a pas d'exit. Il n'y a qu'une entrée. Je suis dans la merde si je fais ça. Drifters you ambushed down there, huh? Ils sont vraiment aveugles, hein. Vraiment aveugles. Merde, tu peux pas monter. Ici. Ok, ok. I saw something. Attends. Fais le con. Oui, oui. Mais dans les dernières saisons, quoi, pas les premières. Quoique. Je pense que je passe à l'attaque. Et dès qu'ils repartent chacun de leur côté. Ah merde, c'est lui qui part en premier. What the fuck. Moving. Okay.
Est-ce qu'on n'aurait pas une petite théorie sur ceux qui disent aigris aux autres? Faites dodo, madame. Ah, la théorie se révèle toujours vraie, hein. Bon, lui, par contre, il est emmerdant ici, lui. Ce qui m'empêche de passer de ce côté-là, ce qui fait que je suis obligé de passer gauche-milieu. Je vois pas tous les chemins. Bâtard. Fallait qu'il y ait un mec comme ça. Putain, c'est vrai. C'est vrai qu'on est en mode totalement solide là. Pareil, flingue silencieux. Bon, le silencieux est pas vraiment pareil que celui de Solid Snake, mais... Niveau gameplay, on est sur la même chose. En beaucoup moins détaillé, bien sûr. Derrière, pourquoi il m'a pas proposé tout de suite ce truc? Je sais pas par contre si lui je peux le planter de dos lui. Vu qu'il a un casque. Non mais attends. Aïe. Non mais tranquille, on va pas vous juger. Vous avez raison, tentez des blagues. En plus, papy, il est bon public. Donc autant en profiter.
Je me demande si le jeu va vouloir me baiser quand même. Quand je vais réclire le camp, est-ce qu'il va quand même m'envoyer des petits infectés en mode 2-3, 3-4 là, en mode. Il n'y a plus d'ennemis humains donc. Tel John Wick, Baba Yaga. All right, one more left. Là. Shinei. Camp's clear. Now you know how it feels being on the other end of it. Yeah. Yeah. Okay, here we go. Bunker. Yeah, I bet they had a bunker. Just gotta. Merci, Bing. Ah oui, totalement. Après, Zizi Saint-Jean, il est très fort aussi. Hein. Ça, le truc. Hein. Morales, seigneur. Je l'ai revu le Morales d'ailleurs là. En me remettant The Mist là hier soir. What's this? A map? Notes? Yeah, okay. Il a un tout petit rôle mais il est dans le film. Donc plus 800 quand même chez Copland, ça met bien. What's this? J'ai des flèches en feu maintenant. This'll come in handy. I'm just gonna grab some shot eye. Et son personnage s'appelle aussi Morales dans le film The Mist. C'est pas trop. C'est pas trop embêté d'Arabon quand il l'a repris sur Walking Dead. Comment tu t'appelais déjà dans The Mist? Ah, Morales, vas-y, bah là aussi tu vas t'appeler Morales. Je vais pas m'emmerder. Ah bah, de toute façon, The Mist, c'est Walking Dead avant l'heure. Hein. C'est exactement pareil. Tu retires la brume et les créatures qu'il y a dans la brume, tu mets des zombies à la place, c'est... Quelques détails près, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment Walking Dead avant l'heure. Hein. Je sais pas si. Si je prends mon sniper. Je pense. Hein. En plus, j'ai le double de coups maintenant. Nice. The Dead Mist. The Mist Dead. Il n'y a pas...
Ah voilà. Ah bah déjà il y a de la ferraille. Et hop, du carbu. Bah sûrement, hein. Sa mère. Alors, oh là là, mais à chaque fois, ça nous active la mission principale. Si j'ai envie de l'activer, je l'active, hein, t'inquiète pas le jeu. Je sais pas si ça va. Oh, mais attendez, ça découvre des zones du Nero là, par ici. Il y en a deux. Il y en a même un là. Mais what the fuck? Il y en a un juste à côté. On va aller le prendre en vrai. Non mais laisse. Papy cherche à provoquer des problèmes, des scissions. J'aime pas trop beaucoup ça. The White King Mine. Allez, hein. En plus, j'ai un jeu de. Oh, oula, oula. Mais. Je viens juste de poser la grosse mitraillette pour reprendre le sniper et il y a ça qui se passe. Il y a des bruits bizarres. De ta cachette, toi. Je suis là, mon pote. Allez, il est là, ce bâtard. Get in there. Oh, c'est une blague. Ah oui, bah oui, à tous les coups, dans la grotte, il y a une horde, c'est sûr et certain. C'est que j'ai vu que j'ai déposé la grosse arme. Pour en faire, pour reprendre mon sniper,
0 sur 20 là, ça sert à rien que je tente. En plus, dans une des dernières VOD, et j'ai tenté d'en faire une pas très loin du camp d'Iron Mike, c'est pas passé, alors je crois que je vais attendre un peu. Au total, j'ai dû en descendre que 2 ou 3, je crois, depuis le début. Des hordes. Je pense que si ça n'a pas détecté de choses ici, c'est qu'il n'y a plus rien. Il y a quoi? Campement ennemi, c'est bon, c'est fini. Zone infestée, c'est pareil. Checkpoint du Nero. Il m'en manque un. Et site de recherche, il en manque deux. Donc du coup, j'imagine que c'est ces deux-là. En plus, celui-là, il est important pour Copland. Mais à mon avis, celui-là, c'est sûr, il va y avoir une horde. Celui-là, peut-être pas. C'est pour ça que je pense que je vais y aller. Mais ici, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Hein. Parce que si ça n'a pas détecté, vu que ça a détecté un camp d'ennemis alors que c'était dans la brume, ça ne détectera plus rien là. Du coup, celui-là est dans la grotte et il fait partie des sites du Nero qui est ici, puisque l'autre il est où? Ah bah il est caché l'autre aussi. Après, il n'y en a pas là. Il doit être caché le dernier qui manque ici là. Quoique, bah non, bah regarde. Là je suis à 2 sur 2. 2 sur 2 aussi. Et là 2 sur 4. Mais pourquoi 2 sur 4? Ah, c'est parce que ça, ça doit être les deux sites et ça, c'est un checkpoint. Ah bah oui, je suis con, il y a marqué en plus. Ok, ok, ok. Oh là là, ça fait beaucoup de viande là, mais c'est bon, je vais vous laisser. Pour cette fois, je vous laisse. C'est quoi ce modèle ? On aurait dit des néons. Ça là-dedans, c'est mauvais signe aussi, ça. Rien qui va bien se passer là-dedans. Je vous le dis, moi. Dommage que ça sert à rien de lire ça, là. Hormis faire le 100%, peut-être. Il y a des bruits d'orage. Même pas d'animation de pluie. Il fait beau. Ah putain, je me souviens. Je suis déjà venu ici. Il se fait bully.
crois que je viens de comprendre. Je crois que je viens de comprendre que c'est encore une route. Allez, hein. Sous la cascade qui est ici, c'est une cascade qui est là, je crois. Ok. Non, je veux ça, moi. Elle voulait pas continuer l'aventure, je pense, cette personne. Au cas où. Hey yo, Yavin Blade, bienvenue à toi parmi nous. Comment on va? Comme ça, je suis tranquille. De la ferraille. Ah, j'ai assez de ferraille pour refaire une nouvelle batte là. Tu auras certainement plus de dégâts, je pense. J'en trouve une. Mon seigneur. Pourquoi vous êtes autant ici? Ok, un petit incendie. Ils sont en chasse. Oh là là, il y a une autre entrée là. Enfin, une sortie. J'ai compris. Oh merde, je crois que j'ai fait le con. Faudrait peut-être que j'aille chercher l'autre là. L'autre que j'ai jeté pas trop loin de la moto là. J'ai vu que celle-ci, ce bidon d'essence, pardon, je viens de le foutre en l'air. Alors, j'espère qu'il y en aura assez.
Ben en vrai, les munitions. Personnellement, je les gâche pas trop sur mes grosses armes. J'en prends beaucoup, enfin, j'utilise beaucoup avec mon petit pistolet là. Mais sur ma mitraillette, genre ici, je la garde vraiment pour quand je suis vraiment en danger. Et l'arme spéciale, bon là, j'ai un sniper donc c'est pour les infiltrations, mais. Tout à l'heure j'avais une espèce de giga mitraillette en mode Rambo et celle-là elle est vraiment aussi pour faire face aux hordes. Donc en vrai il y a quand même beaucoup de missions dans le jeu parce que vu que tu dois faire face à des hordes et descendre des centaines d'infectés, en vrai t'en as, mais faut bien les gérer quoi. Puis là je me suis approché de la moto parce que sur ta moto plus tu l'améliores, plus tu peux mettre des choses dessus. Là par exemple, là j'ai un sac de munitions. Ce qui fait que si imaginons je j'ai plus de mun sur mes grosses armes, bah j'ai plus qu'à aller ici et ça me les remplit en fait. Je crois que tu peux avoir deux stacks au bout d'un moment. Donc en vrai ça va. Ah t'es au début du jeu. Bon ça va, t'auras pas trop de spoilers pour le moment parce qu'on fait des trucs secondaires. Mais après par la suite on va faire du mode histoire donc. Be careful. Mais si t'as des questions, n'hésite pas. Ouais. En vrai, ça va venir avec le temps. Faut juste avancer dans l'histoire, en vrai, et faire le max de missions secondaires que tu peux pour les campements, genre celui de Copland. Normalement, au début, tu devrais pas trop galérer à le faire passer niveau 2. Pareil chez Tucker. Et c'est chez Copland que tu augmentes la moto en premier lieu. Donc en vrai, tu passes niveau 2 chez lui et ta moto elle sera aussi bien augmentée que la mienne en vrai. Parce que le truc d'avoir des sacs de rechargement, je trouve que ça part sur le niveau 2. Je sais plus si c'est chez Copland ou chez Tucker, sérieux, parce que chez Tucker, c'est surtout les armes à feu. Tandis que chez Copland, c'est surtout pour augmenter ta moto. Mais bon, si t'es au début, c'est normal hein, que ça mette du temps. Et merci pour le follow, c'est plaisir. Ici, on fait majoritairement, enfin, je fais majoritairement des let's play de jeux solo. Je fais aussi parfois du multi. Voilà une chaîne YouTube. Si jamais ça te tente, n'hésite pas à faire le point d'exclamation link, point d'exclamation YouTube. Si tu veux explorer ce qu'on fait. Le jeu est cool, ouais. Pour mais en 2019, quand il est sorti, il y a eu beaucoup de bugs. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont descendu le jeu. Puis aussi, il y a plein de détails du jeu qui font que c'était pas forcément au niveau de ce que certains attendaient. Mais en vrai, il est très bien, hein, ce jeu. Il aurait mérité une suite quoi. Le problème c'est que au vu des maigres retours sur le jeu, Sony pour le moment ils sont pas chauds pour une suite. Peut-être plus tard, peut-être un jour, on ne sait pas. Ben, je sais pas, hein. Je pense que les gens de chez Ben Studio ils sont quand même attachés à ce jeu quoi. En vrai, est-ce qu'il y a besoin du game director de l'époque pour faire une suite? Je suis pas si sûr que ça. Hein. Il y a moyen que Ben Studio puisse s'y faire, mais là le problème c'est que Ben Studio ils sont sur un autre jeu. Si j'ai bien compris. Que ce soit faire cette espèce d'Uncharted 5 ou un autre jeu, je crois qu'ils sont sur autre chose. Bon, est-ce que je suis baisé? Si j'appuie sur le truc, il y en avait 3.
C'est pas vrai, le Sam parmi nous. Comment qui va celui-là, hein? Vous avez vu avec la 7e compagnie là pour faire les photos là? Sony n'ont pas l'air de faire confiance à Mencio pour faire une suite. C'est juste qu'ils ont pas l'air de faire confiance au fait de faire une suite. En tout cas, après la sortie du jeu, c'était surtout ça quoi, mais. Il y a un problème sur votre cam, chef. Il n'y a aucun problème sur ma cam, chef. Absolument aucun problème, mon pote. À la con, pote. Tout ça, c'est dans votre tête. Bon, les fils s'arrêtent ici. J'ai niqué le truc ici, ça devrait être bon. Le trou noir, le néant, carrément. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il est pas bien, celui-là. Je suis dans le noir dans ma pièce. C'est normal. Ah oui, du coup, sorry, j'avais pas vu ta question, Yaven. Et du coup, ouais, je suis sur la PS5, je suis pas sur le PC. Il y a une ombre derrière vous. Yeah, now we're in business. Pas du tout. Ça sert à rien, quoi. Y a pas d'ombre. Absolument pas d'ombre. Ah, c'est ça, il y a une petite ombre. C'est vrai. Y a une petite ombre, mais ça doit être l'ombre de. Du dossier. Le Nvidia, il est très fort. Il arrive à capter même le dossier alors qu'on est en pleine noche. Here we go. C'est juste que depuis que j'ai le nouveau PC, là, je. J'utilise plus le fond vert que tu m'as filé, Kevin. C'est Nvidia qui me fait le fond vert directement. C'est plus pratique. J'ai pas besoin de sortir le fond vert, le mettre, le machin. Et du coup, même quand je suis dans la nuit, avec un petit peu de lumière, on voit quand même un peu. Donc du coup, je laisse comme ça. Depuis le jeu Until Dawn là, que j'ai fait en début octobre, je me mets ça. Je me mets en mode dans la noche, dans la pièce. Ambiance horreur, ambiance horrifique. Shoot. Allez, je vais mettre 200 de vie. Et ouais. Ok, du coup, ça s'est fait, là. On est à combien de temps? Quasiment une heure, hein. C'est rare que tu joues sans lumière. C'est juste pour Days Gone, là. Je pense même, juste quand je serai sur la play, je ferai ça maintenant. Je sais pas, j'aime bien être dans la nuit quand je joue là comme ça, là devant la téloche sur la play. Du coup, vu que si je suis dans la nuit avec le fond vert classique, ça sert à rien, parce qu'on verra un truc vert derrière moi, ça sera nul, ça sera moche. Alors que là, pas besoin. Nvidia le fait. Alors lui, il a que ses mots là à la bouche, hein, c'est une dinguerie. Hein. Totalement bugué le type. Pour résumer, ouais, pas mal. Ah oui, oui. Non mais bugué tout court en vrai. Oh, jetez pas la faute sur Ubisoft. Vous êtes un vieux disque rayé, monsieur. Vous me faites penser à un de mes amis. Totalement rayé, le type. Il lâche une phrase, il la répète pendant une semaine. Regardez les vieilles peaux, là. Salam, hein. Un vrai pote, ça. Et d'être bugué sur la même phrase à 24. Un vrai jukebox. Terrible. Moi, je dis terrible.
Est-ce que je me fais un voyage rapide? Bah ouais, hein. En vrai. Buggy Soft, ouais, c'est ça, non mais c'est les mêmes personnes. Ouvrez! Hey, good to see you. Nickel alors, si c'est good to see me. Alors. Hey. Hey. Putain, j'ai rien. Hein. Nice, good haul. J'ai vraiment That's all rien. I got for now. Yep, gotcha. Ouais, vous pensez, jeu de la dernière chance, je sais pas. Hein. Et c'est reparti, le comité d'accueil qui va se réunir autour de lui. Regardez. Il est où le quatrième? Quatrième arrive. On va voir, on va voir. C'est Shadow, ça sera pris, ce sera fait. Moi j'espère juste que ça va respecter leur animus. Qu'il va vraiment se passer quelque chose. Sinon, ouais, ce sera le début de la fin. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, carrément, racheté. Ça, je savais pas, ça. Ça, je n'étais pas au courant. 19 000 que j'ai ici. Je pense que je vais garder, hein. Parce que quand je vais passer niveau 2 là chez eux, là je t'explique. Un million de choses à prendre. Dont les fameuses sacoches de stockage. Come back if you remember what you want. Ah merde, ça a remis le bazar ici. Later, ok. Après, est-ce que ce serait pas bénéfique que le mode de fonctionnement change en vrai? Je sais pas, hein. Que Tencent peut racheter le studio, c'est même qu'il tient 10% des parts. Je connais pas du tout Tencent. Ça me dit rien dit comme ça. Regardez, il y a Bouzé. Faisons passer la journée. Puis on va aller s'en aller sur de la mission d'histoire là. Si vous êtes toujours dans le coin, Yaven, faites gaffe. Hein, parce que ça va certainement vous spoiler. J'ai rien qui être ici, je pense que c'est spoilant. C'était au début, tu connais pas du tout cet endroit. Je sais pas si je vais quand même prendre des munitions. D'accord. Nope. Hey there. Hey, how's it going? Yeah, good. Okay. C'est vrai qu'ils sont un peu mangés, mais silencieux là. Here you go. Rechargeons-les. Now that's an upgrade. Niveau 2, je débloquerai des grenades flash. Yep. Yep. You would come back soon, huh? Ok, cassons-nous.
Here for your bike? On va aller prendre de l'essence. Du coup, à demain pour la suite. Ciao!